seconded, I mean, to IUCN to help us implement our program. And France is one of our 10 main donors, so state donors, so that's really part, a very important support for us. And I would like to showcase here what we did in this last period with the specifically on the marine conservation for the marine global marine and polar program with the Ministry of Overseas Territories and the Ministry of Ecological Transition. And we work on a number of topics. Not everything is finished because of the pandemic. There were like a lot of activities that have been delayed. And but we're working on the monitoring and evaluation of World Heritage Sites for natural and mixed. And the whole idea of this activity is to anchor the evaluation processes like a tool to improve the management of the site and help the manager, rather than being like seen as a very like strong exams or something like that. Really, to have the evaluation processes really really as a tool to help the managers of the site to better achieve what they have in their management plan. We also have the idea of updating a financing guide for managers in overseas territories that has been developed in the Temeum initiative funded by OFB. And we are planning a mangrove research and training in New Caledonia. We hope it can take place before the end of the year, and we're not sure yet because of the sanitary condition. We also support the production of a documentary film on leatherback turtles in French Guiana from the Toucan production. So the full documentary is aimed for the January 2022, but I'm going to show you here the trailer of it. So, la tortue lutte en Guyane a vu le nombre de pontes diminuer de plus de 80% en 10 ans. Donc c'est un vrai phénomène très inquiétant. Chaque année, on a de moins en moins de pontes de tortue lutte. Là, on est sur 160 pontes. L'année dernière, on était sur à peine un peu plus de 700. Ces traces laissées dans le sable sont celles de la plus grande des tortues. Une femelle tortue lutte pèse environ 450 kg. Sur Yalimapo, nous suivons les tortues depuis près de 40 ans, donc c'était l'une des plus grosses populations de tortues luttes au niveau mondial. Damien est un spécialiste des tortues marines. Ces femelles reviennent tous les 2 ou 3 ans sur la plage où elles sont nées. Rebouche. 35-00, fin de la ponte. Après avoir pondu plusieurs fois une centaine d'œufs, les femelles quittent la Guyane pour une longue migration vers le nord. Ces migrations vont se terminer sur les côtes de Caroline du Sud, de Floride, Caroline du Nord, jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques ont donné un nom à chacune des tortues. Une d'entre elles, Lucie, s'est dirigée vers l'Europe. Concernant Lucie, elle a parcouru près de 7000 km jusqu'aux côtes de Vendée, où beaucoup de tortues luttes sont observées par les pêcheurs. Ensuite, cette tortue est repartie plein sud pour reprendre un cycle vers le nord. Après, nous n'avons plus de données et il se peut que dans cette zone, justement, on sait qu'il y a énormément de surpêche. Donc, elle a peut-être terminé sa vie dans les filets de pêche. Parmi toutes les tortues marines que j'ai équipées de balises Argos ces 10 dernières années, j'en ai entre 10 et 30% selon l'espèce qui ont fini capturées accidentellement dans les filets. Les filets de pêche peuvent être des pièges mortels pour les tortues. En Guyane, pêcheurs et ONG cherchent ensemble des solutions pour éviter que les tortues ne se prennent dans les filets. Un des tests qu'on va mener cible à laisser de la place au-dessus du filet pour que les espèces de tortues puissent passer au-dessus, tout en maintenant les captures de poissons dans le bas du filet. Ici en Guyane, c'est intéressant puisque depuis plus de 10 ans, il y a plutôt une coopération de la part du secteur de la pêche vis-à-vis des questions environnementales.
Une nouvelle initiative concerne la tortue olivâtre. Avec moins de 50 kg, c'est la plus petite des tortues marines. La particularité des tortues olivâtres, c'est que ce sont des tortues qui pondent ce qu'on appelle en arribada, c'est-à-dire en groupe, qui, avant sa ponte, va se regrouper en mer et puis monter en masse sur les plages. Au Costa Rica, c'est des milliers par nuit, on n'en est pas à ce stade-là, mais nous, c'est des centaines par nuit. On informe en fait du nombre de pontes de façon journalière pour que en fait les pêcheurs essaient d'éviter le site de regroupement des tortues. Ça c'est un travail avec le comité des pêches, c'est eux qui sur la base du volontariat travaillent en fait avec les pêcheurs pour qu'ils évitent ce site de regroupement. Il reste encore énormément à faire à l'échelle du plateau des Guyanes, notamment en termes de lutte contre la surpêche, contre la pêche illégale, qui sont vis-à-vis des tortues marines les vrais fléaux auxquels elles sont encore aujourd'hui confrontées. Venus des pays voisins, des pêcheurs pénètrent clandestinement dans les eaux territoriales françaises et mettent en péril la pêcherie locale et les tortues marines. Cette pêche illégale, elle est exécutée par des navires, de nombreux navires qui ont des très longs filets et qui pêchent toute l'année. On les voit depuis 20 ans et chez eux il y a moins de poissons, les dauphins sont en train de disparaître, les tortues sont en train de disparaître et du coup ils rapatrient leur effort chez nous où il reste du poisson. À Yalimapo, chaque matin, Ronald compte les nids des tortues. Il est garde de la réserve naturelle de la Mana. L'emplacement du nid est ici, là, et après elle est repartie ce matin au lever du jour. Les vers viennent bien mettre ses nids plutôt dans les végétations. Là, c'est une nid de 2-3 jours qui est braconné. On voit les traces du braconnage. Tout ça, ce sont des coquilles de tortues vertes qu'ils ont braconnées. En mois de janvier, je sais que sur les 50 pentes, il y a 25 nids braconnés. Ces tortues, pourtant, viennent de loin pour pondre ici et assurer la survie de leur espèce. Sur celle-ci, Damien a posé un biologueur qui lui permettra de savoir si cette femelle s'est nourrie entre deux pontes. Cette tortue verte a effectué une longue migration à partir de la région du Ceará au Brésil. C'est une zone d'alimentation où là il y a des herbiers. Elle a parcouru plusieurs milliers de kilomètres durant à peu près un mois et demi, deux mois. Damien étudie également les tortues vertes en Martinique. Ces images datent de 2013. Avec l'aide de plongeurs, il posait des balises Argos sur de jeunes tortues. Depuis, on a appris qu'une bonne moitié d'entre elles sont nées en Guyane, qu'elles passaient une quinzaine d'années ici pour se nourrir, et qu'ensuite elles quittaient les Antilles. Celles nées en Guyane rejoignent alors la zone d'alimentation du Ceará, au Brésil, là où se trouvent leurs aînés. Retour en Guyane, où malgré les efforts des scientifiques et des pêcheurs locaux, l'inquiétude est grande pour l'avenir des tortues luttes. La tortue lutte, elle va fréquenter la Guyane que quelques semaines par an et fréquenter par la suite l'ensemble de l'Atlantique Nord. Donc ça demande pour cette espèce une collaboration à l'échelle globale. À ce rythme-là, hein, on peut craindre une extinction de la tortue lutte. Hein. On le voit déjà au niveau de Yalimapo, on était à 50 000 pontes dans les années 90, on est passé à moins de 200 pontes. Donc là, on est c'est-à-dire 4 individus par nuit contre 500 à 1000 dans les années 90. Sur les plages de Cayenne, de petites tortues luttes émergent du sable. Un bien fragile espoir pour l'avenir de cette espèce. Quand on voit que les pêcheurs sont de plus en plus impliqués, hein, les chalutiers crevettiers ont déjà changé des techniques de pêche en faveur de la protection des tortues marines. Maintenant, les filayeurs côtiers sont de plus en plus intéressés pour tester des solutions. Quand on voit le nombre croissant de jeunes Guyanaises et de jeunes Guyanais qui nous contactent pour protéger les tortues marines, là c'est vraiment un très grand message d'espoir. Voilà, donc je crois qu'on a Monsieur Jean-Philippe Hizel en ligne sur Zoom. Je ne sais pas si Jean-Philippe, vous voulez dire quelques mots. Sorry, and I switch to English again because I keep doing that in this on this pavilion. So Jean-Philippe, I don't know if you, we just showed your teaser, your trailer.
So I would like to know if you would like to say a couple of words, or if someone has a question for the producer of this, the filmmaker of this movie. Jean-Philippe, you can hear us, or I'm not sure. He's not reacting. No. Okay. Okay. So I don't know exactly what time is it in French, Guyana. So that's. Vous m'entendez maintenant? Yeah. Ah, here Est-ce we are. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Voilà, non, il y avait un petit problème de réglage, c'est tout. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Would like to tell us some words on our new film documentary project and what we the trailer that we've just seen. Thank you. Oui, je voulais juste dire un mot, c'est que ce film a été fait, enfin que les données qu'il y a sur ce film, les données de ponte, datent de 2020. Et donc que là, en ce moment, on a achevé la saison de ponte des tortues luttes et des tortues olivâtres. Donc là, on est en fin de saison. Et cette année, il y a eu un peu plus de tortues que l'année dernière. Merci pour signaler ça. Thank you very much. So it just made a quick addition that the data that were used to in this documentary was from the 2020, and now they have the new data for 2021, and apparently there are a bit more individuals. Yeah. Thank you. Someone have a question? Oui, bonjour, merci pour ce petit documentaire. J'ai une question concernant le braconnage des nids que vous montrez à un moment dans le petit trailer. Et donc ma question, c'est est-ce que c'est un braconnage humain? Est-ce qu'il y a du coup un marché illégal de la vente d'œufs de tortues, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt des chiens errants? Je sais qu'il y en a quand même pas mal en Guyane et que du coup, il y a un braconnage des nids ou en tout cas un forçage des nids par des animaux errants et qui viennent se nourrir en fait directement dans les nids de tortues. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les deux, en fait. Il y a eu notamment l'année, donc en 2020, il y a eu une grosse pression de braconnage. C'est donc ce qu'on a vu. Et là, c'était du braconnage pour la revente des œufs, pour la consommation parfois personnelle, mais c'est surtout un trafic d'œufs. Et cette année, il y a eu un gros problème sur la même plage avec des chiens errants qui ont détruit la quasi-totalité des nids. Voilà, donc deux années avec deux causes de destruction des nids, deux causes différentes. Okay. Thank you very much. Thank you very much for being on live with us today. And I think we will move on with the presentation. But yeah, thanks again and congratulations on your project. Tu peux nous remettre le. Okay. So now I suggest we go on and we showcase another activity in this framework is from the IRD, so l'Institut de recherche pour le développement in Nouméa, in New Caledonia. And it's from the team who worked on socio-environmental dynamics on the coast, islands, and ocean. And they have a project looking at the use of traditional knowledge for marine conservation in New Caledonia. And we will show you a short teaser of their outcome product for their project. Je suis un pêcheur qui pêche comme on lui a appris, pour ne pas oublier. Les saisons, les savoirs, les interdits, les coutumes, les rites, les secrets essentiels, comme la conscience d'être cela. Cette cadence, ce rythme. Les gaillacs en fleurs qui me disent que le dawa est gras. Alors je pêche comme on me l'a appris. Et je suis conscient du bonheur d'être tout cela.
Voilà, donc la suite est prévue pour janvier 2022. So the following is also for January 2022 for this one. So yeah, I think we can move on. And I would like to talk very briefly about what we did with the Agence Française pour le Développement, AFD, the French agency for the development agency, sorry. And in the last period, we had two programs, one on marine plastic with Plasticoco, and there was a full session on this topic, and the other one was on a program on sustainable aquaculture, coastal communities and conservation, so Aquacoco. And yesterday here exactly, we had also a very interesting discussion and a full session here, so I will not go again into details, but in this Aquacoco project, we produce like 4 case studies on aquaculture, marine aquaculture, and see how it can be integrated with the coastal communities and the management, the better management of the ecosystem. So integrated into marine protected areas, for example, and in the bigger plan for marine conservation. A bit on the side of the France IUCN partnership, we, as I mentioned at the beginning, we're working with the French Biodiversity Agency, and for it's a partnership that started some years ago now, and we're working on a range of topics in a very close partnership collaboration, and we're working on IMPANA, so the International Marine Protected a network agenda to promote an effective and network for the conservation network of marine protected areas for the conservation of marine ecosystems. On the MPAAP, which is the Marine Protected Area Agency Partnerships, which is a partnership that gathers all the agencies at the international level. I mean, many agencies at the international level working on MPAs. And in the same context, we were working on the impact, so in International Marine Protected Area Congresses. And the next one is in Vancouver next year, in June 2022. So it will be the fifth one, Impact 5. And last but not least, we're working with OFP on the important marine mammals areas. Within this partnership, we conducted a regional expert workshop for the Southern Ocean, where 13 IMAs have been identified for the Southern Ocean. And we recently submitted an information paper to the ATCM, so the Antarctic Treaty Consultative Meeting. And we are going to do the same for the CAMLAR in the coming days with our partner here to inform those important bodies for the Southern Ocean governance about our work and all the knowledge of the expert and the marine mammals task force of the Commission of IUCN. And I would like then to talk about another very important French partner for the Global Marine and Polar Programme, with the Fonds Français pour l'Environnement Mondial, the FEFEM, the French Global Environment Facility. And we recently had projects. So it was about seamounts in the Southwest Indian Ocean in areas beyond national jurisdiction. We also had a high sea session where this project was really described in many details, but I say just a couple of words. We managed to
have an expedition on one seamount that is in areas beyond national jurisdiction, so in the high seas, south of Madagascar. And you can see, I guess, the little yellow circle here. And we had like a scientific team working on benthic biology, and another team from IRD working on the more the pelagic aspect and the oceanographic physical aspects of the circulation around the seamounts, etc. So we just published for this congress the publication and from the on the FFM collection on marine ecosystem. So for now it's in French. You have the little postcard there if you want the QR code to download it. We plan to have it also in English, and the whole goal of this project was also to inform the discussion for the new BBNG treaty and to promote the science that goes to support the decision, because that's a very important aspect for the protection of the high seas, is how to bring the science at the right place to the right person and with the right information for decision makers. Okay. And that's it for today. So to be continued, because I think, as I mentioned at the beginning, I think the whole interest of all this partnership is to be on the long term and to be promoted and extended. And I think it's also building the relationship, working many years together on these topics, and we really get to a very good outcomes. So thank you very much for your interest. We have some lunch bag, so please take some, because I think we ordered too many. So you have the little choice, and we can gather to have informal discussion. And so if you have any question or comments, let me know. Addition. Thank you. Thank you.